C'est très important. Donc, on dit, nos gens là, vraiment, c'est des gens qui oublient facilement, quoi. Hein? Les gens oublient facilement, 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 les gens oublient. Partagez au maximum. Fatou Diaby, oh là là, la combattante. Ça va, Fatou? Tu vas bien? Voilà, partagez au maximum et mettez les cœurs. Et mettez les cœurs aussi. On n'en a pas pour longtemps. Hein? On n'en a pas pour longtemps. On va faire un live vite fait parce que c'est très important. Il y a eu des gens qui m'ont interpellé parce que la situation actuelle, ça préoccupe vraiment. Donc voilà. Donc on va commencer. Déjà, on va commencer en rappelant les gens déjà. Voilà. Le colonel Fakoli, voilà. Quand il a pris le pouvoir. Attendez. Écoutez bien. Chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, la République. Nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun à ce qui le concerne, de rester dans les casernes et continuer leurs activités régalières. On ne va pas reprendre les erreurs du passé. Nous allons nous concentrer sur le développement. Voilà. Nous n'allons pas reprendre les erreurs passées. Le colonel a commencé, il a pris le pouvoir ainsi. Tout le monde le sait. Tout le monde sait comment il a pris le pouvoir. Je pense bien que les Guinéens, il ne faut pas oublier le 5 septembre. Il ne faut pas oublier le 5 septembre. Le 4 septembre, on suivait comment la mouvance était en train de monopoliser le pays, de se foutre du peuple de Guinée. Ousmane Niello, il se foutre des gens. Les blogueurs du RPG Arc-en-Ciel se foutre des gens. On ne pouvait rien faire en République de Guinée. Des gens emprisonnés, les Foniké Mangé, les Ismaël Condé, les Abdoulaye Ba, hein, tout le monde en prison. Pourquoi l'être humain oublie si rapidement? Bon Dieu de sang. Pourquoi nous oublions le 5 septembre, le 4 septembre, quand le colonel déjà était en train de préparer le coup de paix, nous les Guinéens, on n'avait même pas de l'air pour respirer en République de Guinée. On n'avait même pas de l'air pour respirer. Aujourd'hui, je vois des gens qui s'agitent. Le colonel Mamadi Doumbouya n'a qu'à dire combien de temps il va faire pour la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya, il n'a qu'à faire attention. Le CNRD, rentrez là, sortez là. Mais le peuple de Guinée, restez calme, s'il vous plaît. Restons calmes, restons sereins. Le colonel est là, il a pris le pouvoir. Il est là pour le peuple. Il est là pour le peuple, bon Dieu de sang. Il est là pour nous. Le colonel a pris le pouvoir pour nous. Il est en train de nettoyer, il est en train de nettoyer, il est en train de faire un travail qu'aucun opposant ne peut faire. Aucun opposant ne peut faire. Et là, Selou Dalé Diallo ne peut pas faire ce travail-là. Le colonel est en train de faire un travail extraordinaire. Je suis obligé de faire ce live aujourd'hui. J'ai été obligé de faire ce live aujourd'hui. Pourquoi les êtres humains oublient comme ça? C'est pas possible. Le 4 septembre,
Ousmane Niol Nielo, il se foutait de nous, se foutait de nous. Les blogueurs de la mouvance se foutaient de nous. Celui qui parle, celui qui était contre la mouvance, on lui disait que si tu rentres en Guinée, on te met en prison. C'est-à-dire les Foniquais Mengue en prison, bon Dieu de sang. Bon Dieu de sang, les Guinéens, imaginez-vous, le 4 septembre dernier, qui pouvait nous dire qu'Alpha Condé allait quitter au pouvoir comme ça, le 5 matin comme ça. Et tranquillement, le colonel a pris le pouvoir et il a dit à tous les militaires de se rallier. Ils ont fermé les frontières, ils ont rétabli l'ordre. Ils ont ouvert les frontières après. Aujourd'hui, on peut circuler partout. On peut aller partout, toutes les frontières sont ouvertes. Hein? Est-ce que aujourd'hui on avait un opposant qui pouvait nous faire ça? Est-ce qu'on avait, c'est quel groupe, c'est quelle rébellion qui pouvait nous amener ce que le colonel nous a amené? Moi, je veux dire à tous les Guinéens de rester sereins, s'il vous plaît. Soutenons le CNRD, soutenons le colonel Mamadi Doumbouya. Pourquoi les gens s'hésitent? Il faut qu'ils quittent là, il faut qu'ils quittent là. Un pays pourri. Vous oubliez ce qu'Alpha Condé nous a laissé? Vous oubliez que sur tous les secteurs, il n'y a pas un domaine aujourd'hui en République de Guinée où ce n'est pas pourri. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, si on met El Hassel Oudalen Diallo au devant, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, je dis. Il ne peut rien faire. Je dis aujourd'hui, si on met El Hassel Oudalen Diallo au devant, il ne peut rien faire. Le pays est pourri. Le pays est pourri. Tout le monde est malhonnête. Tout le monde est malhonnête. Chacun se cherche là-bas. Hein? Regardez. Aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, il limoge quelqu'un, que ce soit un malinqué ou un peul, il n'y a pas de souci. Que ce soit un soussou, il n'y a pas de souci. Imaginez-vous si c'est Ella Selou qui venait aujourd'hui au pouvoir et qu'il limoge quelqu'un. Dès qu'il limoge quelqu'un, si c'est un malinqué, tous les malinqués vont s'agiter. Dès qu'il limoge quelqu'un, si c'est un soussou, tous les soussous vont s'agiter. Ils vont dire, voilà. On vous avait dit de ne pas laisser le peuple venir au pouvoir. Ils allaient recommencer leur ethnocentrisme. Bon Dieu de sang, pourquoi nous analysons pas bien? Pourquoi nous réfléchissons pas? Pourquoi aujourd'hui, le colonel qui a pris le pouvoir avant-hier, le 5 septembre, et qui a dit tout ce qu'il a dit là, voilà, tout ce qu'il a dit, il est en train de respecter. La situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Écoutez, mes frères, écoutez-moi bien. Respectons ce monsieur-là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, respectons ce monsieur-là. Soutenons ce monsieur-là. Il nous a fait quelque chose d'extraordinaire. Le monsieur est en train de balayer la maison. Il a pris ses engagements. Il a assumé. Le colonel Mamadi Doumbouya a assumé ses responsabilités. Et il a dit, il a fait des chartes, il a juré devant les Guinéens qu'il ne va pas se présenter. Que tous ceux qui feront la transition ne se présenteront pas. Ils ont juré devant les Guinéens. Mais pourquoi nous sommes là en train nous-mêmes de nous maltraiter nous-mêmes? Nous-mêmes, nous sommes en train de commettre notre malheur. Pourquoi? Pourquoi nous ne voulons pas notre bonheur? Pourquoi nous sommes pressés? Pourquoi? Aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Il est en train de faire le travail. Tout ce qu'il a cité ici, là. Tout ce qu'il a cité ici, pourquoi il est venu prendre ses responsabilités? Est-ce que ça, on peut enlever ça comme ça? Est-ce qu'on peut, on peut venir du jour au lendemain, dire voilà, on a fini, voilà, maintenant le mois prochain, on fait les élections. Mais écoutez, quand même, respectons-nous un peu. Réfléchissons un peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
S'il vous plaît, arrêtez. Moi, je vois des gens que je respecte beaucoup, que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup. De voir des gens vraiment qui sont en train de s'agiter pour que la transition prenne, pour qu'on ait une date. On ne peut pas faire une date coûte que coûte. Nous tous, nous voulons que la transition finisse. Nous tous, nous voulons cela. Mais nous savons la situation que nous, c'est-à-dire la situation guinéenne, elle est très, très compliquée. Alpha Condé nous a laissé un pays, un jungle. Ça, c'est le jungle qu'il a laissé. Hein? Imaginez-vous le pays que Alpha Condé a laissé. Mais comment se fait-il que le colonel va venir un jour, un, deux, trois jours, quatre jours, cinq mois, c'est fini quoi. Il va donner une date et puis c'est fini. Mais non, 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 il faut qu'on se respecte un peu. Il faut qu'on se respecte un peu. Hein? Arrêtons, s'il vous plaît. Arrêtons. Arrêtons, s'il vous plaît. Il faut qu'on se respecte un peu. Akiefi Allah, Akiefi Allah. Il faut que je le dise en poula, s'il vous plaît. Akiefi Allah, Akiefi Allah. Tête d'inen CNRD. Respecte un colonel Mamadi Doumbouya et Gimbe Makoben. Gilandema o yetti ngula amudo ko hondum o do den wadi ko tawata ni hande ko ma yutire baawo makko inde moyo wada nge nyalande henya ko hondum colonel Mamadi Doumbouya wadi ha tawani ko ma yutire baawo makko henya inde moyo yo jonni to henya lamugo mimmi hali ko hondum o wadi ha tawata ni ko ma hawjen enen fu yiden andi ko Alpha Condé accani en ko Alpha Condé leydi ndi o accani en di enen fuppi den andi dum do ko fi hondum hawjeten fi bonnangol hore meden hande hada ko alaji sellu jonnano ndi leydi do ko hondum alaji sellu waawi wadde alaji sellu waawata wadde ko colonel woni wadde do ko parce que si be fuddi ke tum be yanno jodaade inna voilà o yime hala no nyande pullo jettu lamu ngugo hanki tu naaw limoji do Malick Sanko hada dum do ko alaji sellu tu wadno dum do de nyande ngol limoji baydari bo nyande ngol limoji mi anda hombo e hombo hara ko alaji sellu arno fuddi limosage wadi fop yaltayno nay men hala no wata pullo jettu lamu siko maninkajo limosa be yana e hore mabbe siko sosojo limosa be yana e hore mabbe jonnon est ce que leydi ni wawayno avansude accem fi alla o assume do responsabilité ji mundin jettani e ngulamu do le 5 septembre hi hande ko lebbi tati dum wadi ko lebbi tati dum wadi ko hondum hande en fop hari den jibi ko honno do hitande mayde ko honno Alpha Condé iurata ko laamu en fop ko dun jibino den do yo hitande mayde ko honno Alpha Condé jettirta iurata ko laamu Allah walli en colonel Mamadi Doumbouya ari itani en ko laamu me itan accien fi Allah soutenemmo ko wawli ko ngimo wadude et puis o wadi chartiji o hudi o inni kanko wo e kanko be wadi transition me fo hay goto presente ta ko election ko honnum wawete wadede han enen wawen famude ron wawen holondirde awa parce que hay si tawi hauri transition ji fejjudi din fo rewali lawol kono colonel Mamadi Doumbouya en wawata ronku de jaban demo parce que o ari o yetike en ko erreur ji fejjudi din din don de nayo rewte e mudum c'est des mudum o wadi charte ji o hudi kanko on deja en andi o present tako nyande colonel Mamadi Doumbouya yaltoydo inni en o presentoto wo mamo wondi presentoto wo hare on tumati non yide way yaltude wawlen colonel Mamadi Doumbouya mamo wondi yalto yi inni wonde mabbe presentoto ko election ji joni hondo yantelam nyalande wadama joni kambe kadi be presentoto parce que be jogi droit presentagol modi gilande ma nenyande de way wolde mais a part ça accem fi Allah respecting on neddo do den neddo yettando en lamu ngum itani en Alpha Condé dimansire bimbi subaka o itani en Alpha Condé jama lagine on fop weti bimbi a part ko jama on nani den kure no fella don kon himbe ben immi yey golloy tranquillement mo be continue golle mum frontière di din felma balde et puis hadi deja frontière di men fayda no fermano hi frontière di men di hadi no ferma fopi do reni hadi deja frontière di men di fop no ferma donc Allah wadi non ha dun don den fop dum annike joni o dum annike o di tani en frontière di fop no dum annade mais écoutez attends papa je vous rappelle joni hono wiantela o di tani en frontière di hi o di tani en frontière di hande fi kala himbe buino wiide mercenaire no nate den leydi ding Alassane Ouattara le gouvernement ivoirien na denier mercenaire la Guinée nati do yalti do yo frontière di fo fermé mais tout est contrôlé
Tout est contrôlé. Ko fion dunge wa wata soutenu de odo de. Joni ko enen tigi woné yal tudé. Wata pression di yandanda hore mani di ala fondement. Ko pression di ala fondement, c'est pas normal. Moi je ne trouve pas ça normal. On atié hakke, c'est pas normal. Atien habe wata ko hana. Uman wata goto hawju do wigol wondema ko manate nge die fatoje. Parce que ko natugo le die fatoje en tant que pidji bouy réglali. Ndare feudo do de ni audit ji ko ne wadde ndare chiffre ji ko na jonnede ndare himbe no wona limojirede hi ndari golle ko wona wadede ndari paji di o marki din gilande ma o yetti lamugo modi dum do fo se a encourager en 3 mois il s'est fait respecter. Il faut que nous soyons humains quand même. Il faut que nous soyons humains. Il faut que nous soyons humains, bon Dieu de sang. Hein? Ce que le colonel est en train de faire, il faut être humain. Il faut reconnaître cela. Il faut respecter ce monsieur-là. S'il vous plaît, respectons le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD. Atiemfi Allah. Et puis, voilà ce que même l'opposition a dit. Même Ella Seloud Alain Diallo, l'autre jour, ce qu'il a dit, c'est quoi? C'est que nous devons tous soutenir. Lui-même, il a fait des sorties internationales pour dire que tout le monde soutienne le CNRD, la junte, que tout le monde soutienne la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine. Et là, c'est Loudalé les a appelés à soutenir. À soutenir. Mais pourquoi Eneng? Pourquoi Eneng et Nanata? Mais pourquoi nous ne comprenons pas? Bon Dieu de sang. Pourquoi mettre la pression sur le CNRD actuellement? Pourquoi? Ils sont en train de bien faire les choses. Je serai, moi, la première personne à critiquer, à dénoncer si le CNRD n'assume pas ses responsabilités. Si le CNRD ne respecte pas les engagements. Mais jusqu'à preuve du contraire, je vais soutenir. Et je vais soutenir jusqu'au bout. Je dis bien, je vais soutenir jusqu'au bout. Et j'appelle à tous les Guinéens, tous les bons Guinéens, de soutenir. Parce que vraiment, le colonel nous a libérés. Le colonel nous a libérés. Pourquoi nous oublions? Pourquoi nous allons oublier pourquoi nous allons oublier ça? Pourquoi nous oublions ces images-là? Pourquoi nous oublions ça le 5 septembre? Bon Dieu de sang. Pourquoi nous n'allons pas soutenir le colonel Mamadi Doumbouya, le Fakoli? Pourquoi? Je dis non. Je dis non, je le soutiens. Je le soutiens, je dis. Mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, mes frères.
Mes frères, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Patientons-nous, s'il vous plaît. Soutenons, s'il vous plaît. Arrêtons, arrêtons vraiment de se détruire. Ça, c'est une autodestruction. Ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien, ce que nous faisons là, c'est pas bien. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on soutienne le colonel Mamadi Doumbouya. Hein? Soutenons le colonel Mamadi Doumbouya. J'étais venu vraiment pour vous dire que, sincèrement, il faut qu'on le soutienne. Il faut qu'on le soutienne. Je ne suis pas venu pour rester longtemps. Partagez-moi le live au maximum possible pour que vraiment le message puisse arriver. Hein? Tous ceux qui ont regardé le live, je vous demande gentiment de partager, s'il vous plaît. Parce que vraiment, ça vaut le coup. Moi, je suis vraiment tellement gêné. Je suis tellement gêné de voir que des gens sont en train de dire que le colonel doit nous dire quand la transition, c'est quand ça va finir. Non, mais écoutez, ça va finir. Du moment que le colonel lui-même, il nous a juré, il y a des chartes que lui-même, il a juré qu'il ne va pas se présenter. Tous ceux qui feront la transition ne se présenteront pas. Nous ne devons pas nous précipiter. Laissons les choses se faire tranquillement. Et puis, on va avoir une transition du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais vu. Moi je vous jure que je ne peux pas oublier ce que le colonel a fait pour la Guinée. Je ne peux pas oublier ça. Le jour que le colonel dévie le chemin, le jour que le colonel dévie le chemin, le jour que le CNRD dévie le chemin, ce jour-là, je sortirai, je dénoncerai, je serai toujours aux côtés du peuple. Ça, je vous jure.